suis un peu fatigué, donc je vais rester un petit peu assis ce soir. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. Alors j'aurais une petite pensée de la part du Seigneur pour vous. Et j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Psaume. Psaume 35 au verset 1er. Nous voulons vraiment bénir Dieu pour toutes choses. Et pour que tu puisses toujours bénir Dieu, Dieu te donne un verset ce soir que tu peux graver dans ta maison, que tu peux écrire là où tu vas. Et le verset que le Seigneur veut te donner ce soir, c'est le verset de Psaume 35, verset 1er. Psaume 35, verset 1er. La Bible nous dit la chose suivante. Maintenant, est-ce que je peux venir juste pour lire? Ou je sois, comme tu veux. Ou bien, viens, c'est bien. Viens. Viens à ta place, mais lis au droit, fort. 35, verset 1er. 35, celui-là. Seigneur, accuse ceux qui m'accusent, attaque ceux qui m'attaquent, prends des bouts, le petit et le grand, lève-toi et viens à mon aide, avec la lance et la hache de guerre, frappe ceux qui me poursuivent, dis à mon cœur, c'est moi qui te sauve, ceux qui veulent me tuer, qu'ils soient couverts de honte, qu'ils perdent leur honneur, ceux qui ont l'intention de me faire mal, qui reculent plein de honte. Que l'ange du Seigneur les chasse et qu'ils soient comme la paille emportée par le vent. Que l'ange du Seigneur les poursuit et qui glisse sur le chemin sombre. Sans raison, ils m'ont tendu un piège au-dessus d'un trou. Sans raison, ils ont creusé pour moi qu'un immense malheur tombe. Et tout à coup, le siège caché qui ont tendu les attraper, qu'ils soient détruits par ce malheur immense. Alors je danserai de joie grâce au Seigneur, je me réjouirai parce qu'il m'a sauvé. De tout mon cœur, je dirai, Seigneur, qui est comme toi. Tu délivres les malheurs de ceux qui sont plus fort que lui, les malheurs et les pauvres, tu les délivres de ceux qui les pillent. Amen. Amen. Dans ma version, il dit la chose suivante. Éternel, attaque ceux qui m'attaquent. Combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, ton salut, c'est moi. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, et qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent mon malheur. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante, et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils ont caché pour moi une fosse avec des filets. Sans cause, ils ont creusé pour m'ôter la vie. Que la tourmente les atteigne sans qu'ils le sachent. Que le filet qu'ils ont caché les capture. Qu'ils y tombent et soient dans la tourmente. Et mon âme aura de l'allégresse en l'Éternel et elle s'égaillera en son salut.
Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que je ne connais pas. Ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est restée seule. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Ma prière revenait sans cesse, comme un ami pour un frère. Je me traînais lentement. Amen. Il y a des ennemis qui veulent notre ruine. Et ces ennemis, ce sont des esprits méchants qui sont là pour vouloir nous détruire, qui sont là pour vouloir nous arrêter, qui sont là pour vouloir nous anéantir. Mais la Bible nous dit que l'Éternel attaque ceux qui m'attaquent et que l'Éternel va commencer à combattre pour nous. Et dans le psaume chapitre 34, regardez ce que la Bible nous dira. C'est toujours le même homme qui parle. Il nous dit, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. » Je crois que je peux lire, s'il vous plaît. Psaume 34, verset 1er. Oui, bien devant, si tu veux. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez-moi, l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs quand on tourne vers lui les regards. On est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Le psalmiste David nous dira beaucoup de choses dans ces versets. Il nous dira que la louange pour Dieu était toujours dans sa bouche. Peu importe la situation, peu importe la circonstance. Vous savez, des fois, Dieu peut regarder dans les différentes situations, dans les différentes circonstances que nous pouvons traverser en tant qu'être humain. Nous pouvons traverser par diverses situations, par diverses choses. Dieu, avant de regarder notre situation, il regarde ce que nous faisons pendant la situation. Quand tout va bien, il est assez facile pour l'homme d'être heureux et de pouvoir remercier Dieu. Mais quand il y a des moments, des fois, où les choses ne vont pas comme nous voudrions aller, nous voudrions tous que vivre dans un monde meilleur, dans lequel tout est changé et tout est transformé. Mais quand, des fois, nous regardons à la réalité de la vie, nous voyons que Dieu a donné un bon diagnostic quand il a regardé les hommes. Il a dit, le cœur de l'homme, il est tortueux et pécheur par-dessus tout. Quand nous regardons la perversité autour de nous, la méchanceté, l'animosité, la rancœur qui peut se passer à travers les personnes, nous pouvons voir que malheureusement, l'homme est l'homme. Et que l'homme a une méchanceté en lui terrible. Mais la Bible nous dit, le psalmiste David, vous savez, quand il dira ces psaumes sont merveilleux, ces psaumes sont mis en chanson, ces psaumes sont mis en avant souvent. Mais vous savez que quand il écrivait la plupart de ces psaumes, il était poursuivi par le roi Saül. La Bible nous dit que, alors que David avait reçu l'onction comme roi, parce que Saül avait désobéi, le roi Saül a commencé à poursuivre et à pourchasser David là où il allait. Parce que le roi Saül voulait le tuer. Le roi Saül voulait le détruire à cause de la présence de Dieu qui était sur lui. Et j'aimerais vous dire que dans nos vies de tous les jours, parce que nous avons décidé de suivre Jésus, nous avons reçu ce qu'on appelle un cadeau. Le cadeau, c'est quoi? Ou c'est qui? C'est une personne. Une personne qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est le cadeau que Dieu nous a donné. Le plus beau cadeau en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas les bénédictions qu'on peut recevoir. Le plus beau cadeau en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas tous les bienfaits qu'on peut avoir en tant que chrétien. Mais le plus beau cadeau que nous pouvons avoir, c'est la présence de Dieu. Et à cause de cette présence de Dieu, tu t'es fait des ennemis, que tu le voulais ou que tu ne le voulais pas.
à cause de cette présence de Dieu sur toi, des ennemis se sont levés partout. Pourquoi? Parce que le même esprit qui animait Saül et qui a amené le roi Saül à vouloir détruire celui qui avait la présence de Dieu sur lui, ces mêmes esprits vont continuer à vouloir se lever contre nous. Et c'est pour cela que quand nous voyons que nous marchons avec Dieu, on met un projet en route, on voit des combats. On met des choses en marche, on voit qu'il y a des combats. Et dans notre vie spirituelle, la première des choses que nous devons faire, avant même de combattre ces combats, c'est de commencer à bénir Dieu. Pourquoi bénir Dieu? Vous allez nous dire, peut-être le pasteur il nous demande un peu d'être fou, parce qu'on passe par une situation difficile. On passe par une situation où les gens nous parlent mal de nous. On passe dans une situation où on vit peut-être la persécution. On passe dans une situation où on vit la tribulation. La tribulation n'est pas la persécution. La persécution, c'est quand on est persécuté dans notre vie à cause de notre foi. C'est ça la persécution. Mais la tribulation est bien autre chose. La Bible nous dit que la tribulation est un moment difficile par lequel nous passons. Donc ici, dans notre pays, il n'y a pas de persécution. Ici, dans notre pays, nous vivons la tribulation. Dans les pays où les chrétiens sont obligés de se cacher à cause de leur foi, sinon on les tue, ça c'est la persécution. Mais dans notre pays, dans notre nation de France, nous ne vivons pas la persécution, mais nous vivons des tribulations. Nous vivons des fois des rejets. Nous vivons des fois des temps où les hommes nous rejettent, nous haïssent. Simplement peut-être à cause de notre foi. Simplement peut-être à cause de notre démarche et de notre marche avec Dieu. Mais Jésus avait parlé à ses disciples, il a dit, quand vous verrez ces choses arriver, que votre cœur ne se trouble point, mais commencez à vous réjouir. Commencez à vous réjouir. Pourquoi? Parce que ça veut dire que votre récompense sera grande dans le royaume du ciel. Vous savez, les moments difficiles et les moments de tracas que nous pouvons passer, soit avec des personnes, soit par des moments, ce sont nos promotions pour le royaume du ciel. Vous savez que si quelqu'un veut travailler, veut avoir un bon salaire, il doit travailler avec labeur. Il doit travailler des fois avec dureté. S'il veut un meilleur salaire que les autres, il va peut-être travailler plus que les autres. Il va mettre plus d'acharnement que les autres. Mais à la fin, il aura un meilleur résultat. Quand nous voyons des fois que injustement nous sommes accusés, quand nous voyons que des fois nous sommes dans des temps où nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes peut-être mis à part, peut-être des fois nous sommes rejetés, alors j'aimerais vous dire que c'est un acte que tu as grandi. Tu as commencé à bousculer à cause de ton action avec Dieu. Le monde des ténèbres, et le monde des ténèbres a décidé de se lever contre toi. C'est un honneur de voir Satan se lever contre nous, parce que ça veut dire que dans le monde spirituel, nous sommes devenus importants. Satan ne se lève pas contre tout le monde. Satan n'attaque pas tous les chrétiens. Ce n'est pas parce qu'il s'appelle chrétien que Satan va l'attaquer. Mais quand tu commences à devenir important dans le royaume de Dieu, et quand Dieu commence à t'élever, c'est là que tu commences à intéresser non seulement le ciel, mais l'enfer. Chaque fois que l'onction de Dieu vient sur un homme, il y a ces deux phénomènes qui commencent à s'activer. Quand tu intéresses le ciel, sache que le royaume des ténèbres est autant intéressé. Parce que lui, son but, c'est de trouver ta faille pour te détruire. Mais le ciel, à cause de ton engagement, est de t'ouvrir la voie pour manifester le règne de Dieu. C'est ça que nous devons comprendre. Et c'est pour cela que le psalmiste David, alors qu'il était roi, alors qu'il était pas encore roi d'Israël, il dirait, peu importe la situation dans laquelle je me trouve, peu importe les ennemis qui se lèvent contre moi, peu importe par quelle situation je peux passer, je décide moi-même de bénir l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mes frères et sœurs, ne vous laissez pas avoir. Vous savez, le rôle du diable,
c'est d'enlever la louange de votre bouche, d'arracher la louange de votre bouche. Il veut que votre bouche serve à maudire, alors que vous êtes appelé à bénir. Les ennemis qui se lèvent contre toi, j'aimerais te dire que dans peu de temps, tu ne les verras plus. Ceux qui se dressaient contre ta vie, dans peu de temps, ils seront loin, parce que l'Éternel te met au large. Quand le Seigneur voit que tu vis des fois des temps d'injustice, quand il voit que tu vis des temps de persécution, des temps de tribulation, le Seigneur hisse la voile du bateau et te met au large. Et pourquoi il te met au large? Parce que au large, tu ne verras plus ses problèmes, au large, tu ne verras plus ses difficultés. Donc il y a une dimension du large que nous devons comprendre. Regardez ce que la Bible nous dit dans le verset 34. Quand on a, dans le verset 6, quand on regarde à lui, on resplendit de joie. Et ensuite il continue, il dit, et le visage n'a pas à rougir. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Amen. Donc voilà la manière dans laquelle Dieu nous met au large. Ne regarde pas sur ta situation, mais dis Seigneur, je regarde à toi. Pourquoi? Parce que quand on regarde à Dieu, c'est quelque chose de merveilleux. Comment on sait quand on a regardé à Dieu? C'est quand la joie est dans notre cœur. Parce que la Bible nous dit que quand on tourne nos regards vers lui, on est resplendissant de joie. Donc la joie, ce n'est pas un simple phénomène. Parce que tu as gagné de l'argent, parce que tu as eu une belle voiture, parce que tu as eu une belle maison. Mais la joie devient un phénomène spirituel à cause du regard du cœur. Quand la tristesse vient, quand le découragement vient, ferme seulement tes yeux et dis Seigneur, je tourne mon regard vers toi, mes yeux de la chair, mes yeux de l'esprit, vers toi, et tu commences à faire un sourire parce que tu deviens resplendissant de joie. Essayez. Fermez les yeux pour l'instant. Tout le monde, fermez les yeux. Et commencez à sourire. Commencez à sourire. Vous allez voir, des fois, c'est pas facile à sourire. Mais souriez. Commencez à sourire. Et dis, Seigneur. Dis avec moi, Seigneur. Je me tourne à toi. Et je regarde. Voici peut-être les internautes qui allaient regarder cette vidéo. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire. Mais fermez les yeux et souriez. Pourquoi? Parce que quand tu fermes les yeux, il y a des yeux spirituels qui s'ouvrent. Et quand les yeux spirituels s'ouvrent, alors tu contemples Dieu. Imagine le bonheur qu'il t'a donné. Imagine ce qu'il a sacrifié pour toi. La Bible nous dit que Dieu a sacrifié son propre fils. Son fils unique, ce qu'il avait de plus cher, et il l'a donné pour toi. Il a fait cela non parce que ça lui plaisait, mais la Bible nous dit qu'il l'a fait par amour. Pour que là où tu as des détresses, là où tu es découragé, tu commences à resplendir de joie. Et la Bible nous dit, verset, mais c'est la joie de l'Éternel qui va faire ta force. Dans la vie, si tu veux savoir quelle est la force du croyant, c'est la joie. Et c'est la joie est également un des fruits de l'esprit dans lequel l'apôtre Paul mentionne dans le livre de Galates. Pourquoi? Parce que la joie, c'est ce qui va maintenir notre amour fortement. Regardez dans nos vies. Quand on a l'amour pour Dieu, c'est bien. Mais quand il nous manque la joie, l'amour s'arrête un moment. Pourquoi? Parce que notre motivation pour adorer Dieu a été détériorée. Quand nous avons beaucoup de tristesse, il est difficile de parler. Il est difficile d'avoir des mots. Mais quand tu commences à avoir cette joie, la joie ne manque pas de mots. Quand quelqu'un est heureux, quand quelqu'un est content de ce qui s'est passé, il ne manque pas de mots pour dire merci. Et même s'il le dit 10 000 fois, même
Imaginez, regardez les petits-enfants quand ils reçoivent des cadeaux de Noël. Quand ils ont reçu le cadeau qu'ils désiraient. Peut-être toute cette soirée, ils vont commencer à dire merci, merci, merci. Faire des biscuits. Vont... La joie va faire que leur amour continue. Bien souvent, quand nous commençons à prier avec Dieu et quand nous commençons à chanter, quand nous commençons à louer, et que quand nous n'avons pas cette joie, nous nous arrêtons facilement. Pourquoi ? Parce que la tristesse nous arrête. Le chagrin nous arrête. La lourdeur nous arrête. Mais Dieu veut que nous puissions entrer, à cause de l'Esprit qu'il a mis en nous, dans un temps où nous allons être continuellement joyeux. Alors imaginez, être joyeux dans la difficulté. Être joyeux quand tout va mal. Être joyeux quand rien ne va. Mais c'est une folie. La Bible nous dit que Paul et Silas ont été enfermés en prison, battus de coups à cause de leur foi. Mais en prison, ils étaient joyeux et ils ont commencé à chanter. Et quand ils ont commencé à chanter, à cause de la joie qu'ils avaient, qu'est-ce qui s'est passé? Les murs de la prison ont bougé et les portes des prisons se sont ouvertes. Qu'est-ce que cela veut dire? Tu peux avoir la victoire dans ta vie si tu comprends le mystère de la joie. Si tu ne comprends pas le mystère de la joie, tu vas te fatiguer beaucoup. Tu vas faire beaucoup, mais tu verras peu de résultats. Avoir la joie, quand tu te retrouves face à des personnes qui n'ont pas de joie, avoir la joie, quand tu te retrouves face à des situations où les problèmes sont grands comme une montagne, va paraître fou au début, mais va libérer ton amour qui va faire agir le Père. Le Père agit toujours quand il voit l'amour manifesté. Écoute bien ça. Le Père au ciel agit toujours quand il voit l'amour manifesté. Mais l'amour manifesté ne se manifeste que quand la joie arrive à son sommet. Ça, c'est une clé dans la vie spirituelle. Pourquoi? Parce que quand tu vas voir que tu vas être joyeux et tu vas chanter pour Dieu, ton adoration va monter comme une bombe au ciel. Et Dieu dit, à cause de cette adoration, je ne peux pas le laisser dans cette situation. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je suis étonné quand je vois l'homme. Il est dans une situation difficile, et pourtant il est heureux. Il est dans une situation dans laquelle tous les gens se plaignent, mais il est heureux. Et en plus de son qu'il est heureux, il m'adore. À cause de cela, je bougerai le ciel pour lui. C'est ce que Dieu dit dans le ciel. Ce sont des mystères que nous devons comprendre. Et c'est pour cela que la Bible nous dit que David a été appelé l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu. La Bible nous parle des apôtres, la Bible nous parle des prophètes, la Bible nous parle de tous les hommes sur la terre. On peut nous parler de Moïse, qui était l'homme le plus humble de la terre. On peut nous parler de Pierre, l'apôtre de Jésus, qui était fougueux au point de prendre son épée et de couper l'oreille d'un serviteur du souverain sacrificateur. Mais quand on nous parle de David, la Bible nous dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, l'homme selon le cœur de Dieu? Un homme qui avait compris qui était Dieu par-dessus tout. Regardez les prophètes. Beaucoup de prophètes sont passés dans des situations difficiles. Les prophètes ont pleuré, les prophètes ont gémi, les prophètes se sont lamentés. On peut voir que les disciples de Jésus, face à l'enlèvement de leur maître, ont pris la fuite. Pierre l'a renié, Judas l'a trahi, les autres sont partis. Mais de David, il est dit que malgré ses erreurs, il savait toujours comment toucher Dieu. Mon frère, ma soeur, dans ce temps qui est celui-ci, ce que Dieu cherche, il cherche des hommes et des femmes selon son cœur. Il ne cherche pas simplement des chrétiens. Vous savez, aujourd'hui, il y a une mode dans le christianisme. Les gens disent qu'ils prient. Les gens disent qu'ils cherchent Dieu. Mais en vrai, les gens pleurent, se lamentent.
Ça leur montre leurs problèmes. Ça leur montre leurs difficultés. Et essayer de chercher un secours humain. On peut parler de nos problèmes autant que nous voulons. Plus qu'on en parle, moins on voit de résultats. Parle moins de tes problèmes et laisse la joie de Dieu t'adorer. Laisse la joie de Dieu t'envahir et l'amour de Dieu grandir. L'apôtre Paul nous dira, qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Est-ce les choses de cette terre? Est-ce les problèmes? Est-ce les principautés? Est-ce la persécution? Il faut savoir qu'il a été lapidé. L'apôtre Paul a été lapidé et il est revenu à la vie. Il croyait qu'il était mort et il est revenu à la vie. L'apôtre Paul a été roué de coups. L'apôtre Paul a été mis en prison. L'apôtre Paul a passé par des étapes difficiles dans sa vie. Passé de tribunal en tribunal jusqu'à aller à Rome, dans lequel les hommes voulaient le tuer, et pour la fin finir décapité, on lui a enlevé la tête, simplement à cause d'une chose, parce qu'il avait vu Jésus et il prêchait l'évangile. À cause de ça, quel mal avait-il fait? Qu'est-ce qu'il avait fait de mal? Il n'avait rien fait de mal. Mais le diable a essayé partout. Et avant d'être décapité, avant qu'on lui coupe la tête, il a pu encore écrire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, et je vais remporter la couronne de vie, la couronne de gloire qui m'est réservée. Impressionnant, cet homme est impressionnant. Comment un homme peut parler comme cela? Serait-il devenu fou au point d'aimer le martyr? En fait, ce n'est pas qu'il aimait le martyr, mais c'est qu'il avait compris que la joie lui donnait la force de supporter le martyr et d'aller au-delà du martyr. La joie que tu vas commencer à manifester en Dieu va te donner la force d'aller plus loin que tu pensais. La joie que Dieu veut te donner va te donner une telle hardiesse que rien ni personne ne pourra t'arrêter. Pas une situation, pas une personne, parce que tu sais où tu vas. C'est ça que l'Église aujourd'hui a besoin. L'Église aujourd'hui a besoin de retrouver la joie de Dieu. Parce que le diable, on dirait qu'il a réussi à enlever la force de l'Église. Parce que les chrétiens sont tristes. Les chrétiens sont malheureux. Beaucoup de chrétiens sont malheureux, beaucoup de chrétiens sont tristes. Beaucoup de chrétiens boudent. Beaucoup de chrétiens tirent la tête. Beaucoup de chrétiens sont désespérés, découragés. Mais quand une armée va à la guerre, découragée, elle n'arrivera jamais à vaincre. Est-ce que vous avez déjà vu partir une armée dans la défaite? Vous êtes sûr qu'ils vont être les premiers à battre en retraite. Mais quand une armée part au combat, vous savez que les soldats, les chefs caporaux, quand ils veulent envoyer des soldats à la guerre, ils ont compris que si un soldat n'a aucune peur et qu'il va avec la joie et qu'il fonce, l'armée gagne. C'est pour ça que dans certaines guerres, ils ont donné beaucoup d'alcool aux soldats pour que quand ils boivent l'alcool, ils étaient tellement joyeux qu'ils fonçaient au combat et ça leur donnait la victoire. Mais la Bible nous dit, ne soyez pas remplis de vin doux, mais soyez remplis du Saint-Esprit. De la même manière que quand on boit le vin, on est transporté par le vin, on est dirigé par le vin, pour commencer à pratiquer toutes sortes de choses qui sont liées à la chair. De la même manière, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous devenons ivres du Saint-Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, ivres du Saint-Esprit? Ivres du Saint-Esprit, ça veut dire que nous sommes tellement conduits par lui, que nous ne connaissons plus la peur, nous ne connaissons plus la tristesse, ne connaissons plus le découragement, mais nous sommes tellement joyeux. Regardez quelqu'un qui est saoul. Il peut parler, il peut dire des choses, il peut même sortir en t-shirt quand il fait froid. Il peut même se faire mal et rigoler. Alors que peut-être s'il ne serait pas saoul, il n'aurait pas rigolé en se faisant mal. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire qu'il est transporté par quelque chose. Il est ivre d'une substance qui a commencé à diriger son corps. Mais la Bible nous dit, ne soyez pas nous ivres de vin doux, mais soyons ivres du Saint-Esprit. Alors pour être ivres du Saint-Esprit, nous devons être remplis de joie. Remplis de joie. Et tant que tu n'es pas rempli de joie, continue à dire, Seigneur, touche-moi et remplis-moi de joie. Je veux fermer mes yeux. Regarder avec mes yeux spirituels vers toi. Quand on se tourne vers le Seigneur, quand on regarde vers le Seigneur, on est rempli de joie. Et là, on commence à faire un sourire. Et on laisse cette joie remplir. Et on se dit, Seigneur, il est bon d'être dans ta présence. Je veux bénir ta présence. Et je veux te louer. C'est un des mystères. Dans la communion avec le Saint-Esprit, c'est un des plus grands mystères. Parce que quand tu commences à comprendre cela, tu peux commencer ta prière en étant triste. Mais tu peux la terminer avec des cris de joie et des cris d'allégresse et des cris de triomphe. Tu commences à exulter à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que tu sais que la plus belle place, c'est d'être auprès de Dieu dans l'adoration. La plus belle place dans laquelle Dieu t'attend, c'est être à ses côtés dans l'adoration. Et pendant ce temps où peut-être nous allons partager le repas du Seigneur, j'aimerais vraiment vous encourager à dire, Seigneur, je veux prendre ce repas. Je veux prendre cette sainte scène en étant dans la joie. Que pendant ces instants, tu puisses laisser de côté la tristesse. Tu sais, la tristesse, c'est lourd, c'est un fardeau lourd à porter. La haine, la colère sont des fardeaux terribles à porter. L'homme ne peut pas porter ça. Ça le détruit. La Bible nous dit qu'un esprit abattu dans le livre des Proverbes dessèche les eaux. Ça dessèche les eaux. C'est-à-dire que ça détruit l'intérieur et ça se reproduit à l'extérieur. Les scientifiques aux États-Unis ont fait un jour un essai. Il y avait une femme qui avait beaucoup de problèmes et qui, vraiment, chaque fois, elle avait des problèmes, elle avait des dépressions, des découragements, des désespoirs. Et les scientifiques aux États-Unis ont fait la chose suivante. Ils l'ont mis au laboratoire et ils ont commencé à regarder toute l'analyse intérieure de son corps. Et ils étaient étonnés. Parce qu'ils ont vu que cette femme, malgré l'âge qu'elle avait, tout l'intérieur avait vieilli 20 fois plus vite. C'est comme si elle avait 20 ans de plus. Et en regardant sa vie, en analysant sa vie, les chercheurs ont réalisé qu'en fait, l'état de son corps intérieur était seulement à cause de son état d'âme, à cause de son état dépressif, à cause de son état de découragement, à cause de son état de désespoir. Et la Bible nous le dit, qu'un esprit abattu dessèche les os. Il y a certaines maladies qui sont d'origine démoniaque, mais il y a certaines maladies qui viennent dans le corps parce qu'un esprit d'abattement, un esprit de découragement, un esprit de désespoir s'est emparé de toi. Et quand cet esprit vient, il commence à détruire l'intérieur de toi-même au point qu'à un moment donné, la maladie commence à faire surface. C'est terrible. Mais dans le même livre de Proverbes, la Bible nous dit « Un cœur joyeux favorise la guérison. » Un cœur joyeux. Donc la joie est un des symptômes de guérison. Il y a des fois des maladies qui viennent, qui nous détruisent, alors que nous ne les avons pas cherchées. Donc maintenant, c'est un temps où il faut prier. Mais quand l'abattement vient, l'abattement amène aussi la maladie. Et si tu pries pour une personne qui est abattue, c'est pour cela que dans la guérison, il y a deux cas. Il y a les cas des personnes qui sont guéries tout de suite. Pourquoi ? Parce que là, c'est un esprit de maladie qui est venu. Donc là, quand on prie au nom de Jésus, la maladie part. C'est un cas classique. Mais le trois quarts des maladies sont dues parce qu'il y a un esprit d'abattement.
D'abord, la personne est découragée. D'abord, la personne est désespérée. Et quand à un moment, la personne arrive dans un grand désespoir, dans une grande détresse, elle commence à sentir une fatigue sur elle. Et cette fatigue devient terrible. Parce que cette fatigue commence à provoquer des douleurs à l'intérieur d'elle. Des douleurs dans son ventre, des douleurs dans son intestin, des douleurs dans son cœur. Et quand ces douleurs commencent à s'accumuler, ces douleurs commencent à détruire les os. C'est ça qui peut provoquer même des cancers. C'est ça qui peut provoquer même des maladies terribles. Pourquoi? Parce qu'un esprit d'abattement et de découragement a commencé à se poser sur ces personnes. Et nous sommes dans un siècle où, à cause de tout le modernisme qu'on a, les gens entrent toujours plus dans un abattement plus grand. Il y a quelques n'avait pas le temps de s'abattre parce que le matin il devait sortir, peut-être pour aller traire les vaches, peut-être pour faire un travail des fois physique. Et au bout d'un moment, il disait, mais pourquoi je me casse la tête? Et finalement, sa journée se passait avec la joie. Parce qu'il disait, de toute façon, je dois le faire, alors je le fais. La mentalité était différente. Et les gens vivaient d'une autre manière. Souvent on dit, les gens étaient plus heureux avant. Ce n'est pas qu'ils étaient plus heureux, c'était la mentalité, le système de vie qui les amenait à raisonner différemment. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un système où tout doit aller vite. Et que quand les choses ne vont pas vite comme nous voudrions, nous nous décourageons. Et vu que dans nos pays civilisés, entre parenthèses, on nous donne tout sur un plateau, l'homme a le temps de réfléchir. Et l'homme a le temps de rentrer dans un désespoir. C'est terrible. C'est terrible de rentrer dans un désespoir. Pourquoi? Parce que le désespoir, aucun docteur ne peut guérir le désespoir. Il n'y a pas aucun docteur qui peut guérir le désespoir. Regardez les hôpitaux psychiatriques, ils sont pleins. Regardez les gens qui sont dans les hôpitaux. Beaucoup sont malades, des maladies terribles. Mais quand vous parlez avec beaucoup de malades, quel désespoir ils ont déjà au fond de leur cœur. J'ai parlé avec beaucoup de malades pour vous dire ça. Et j'ai vu que beaucoup de gens qui sont malades, qui sont affectés par des maladies, ce sont des gens qui ne s'aiment pas. Ce sont des gens qui se découragent. Ce sont des gens qui se sont désespérés de la vie. Ce sont des gens qui se sont vus en marge peut-être de la société. Ce sont des gens qui ont commencé à être découragés intérieurement. Et finalement, ce découragement, quelques années plus tard, les a amenés dans des situations encore plus terribles. Alors, nous-mêmes en tant que chrétiens, il y a aussi des chrétiens des fois qui passent par ces situations. Comment un chrétien pourrait passer dans une situation pareille alors qu'il a reçu le plus beau cadeau du ciel, l'Esprit de Dieu sur sa vie? Je vais vous dire la chose suivante. Aspirez à la joie chaque jour. Et quand tu vois que ta joie a diminué, regarde dans ta vie quelles sont les pensées qui commencent à t'oppresser. Quelles sont les pensées qui commencent à te décourager? Et dis, Seigneur, je renonce à ça, parce que je sais que derrière cette pensée, il y a un démon. Écoute bien. Derrière une pensée de découragement, il y a toujours un démon qui se cache. Et c'est un de tes ennemis. Et c'est pour cela que David dira dans le psaume 35, Éternel, attaque ceux qui m'attaquent et combat ceux qui me combattent. Ensuite, il continue, regarde. Il dit, saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Ça j'aime bien. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Et dis à mon âme, voilà là où vient le découragement. Viens là, voilà là où vient le désespoir. Dis à mon âme, ton salut, c'est moi. Dis-le à ton âme, ton salut, c'est moi. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Et ensuite il dira qu'ils soient emportés comme la paille par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange les poursuive. Et ensuite, regardez quand vous allez un peu plus loin, dans le verset 9 il dit « Et mon âme aura de l'allégresse en l'Éternel, elle s'éveillera en son salut. » Tous mes os, regarde là on parle des os. Avant je parlais de la maladie, maintenant on parle des os. Tous mes os diront,
Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui? Pourquoi on peut dire cela? Face à la maladie, qui est le plus fort, l'homme ou la maladie? Souvent, c'est la maladie qui est plus forte que l'homme. Mais la Bible nous dit, le psalmiste David nous dira la chose suivante. Éternel. Regardez. Est-ce que je suis encore dedans? Tous mes os diront éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui? C'est même pas la bouche qui parle, c'est les os intérieurs. Les os qui étaient touchés par la maladie, les os qui étaient touchés par le désespoir, les os qui étaient touchés par le cancer, les os qui étaient touchés par des choses terribles. Ensuite, il continue. Délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui les dépouille. Ensuite, il dira dans le verset 35, « Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, et ma prière revenait sans cesse. » Donc vraiment, j'aimerais vraiment vous encourager, mes frères et sœurs, de chaque jour, chercher cette joie, chanter à Dieu les cantiques, adorez-le. Mais quand vous voyez que la joie n'est pas là, regarde les pensées qui sont dans ta vie. Les pensées d'abattement, les pensées familiales, les pensées de raison. Débarrasse-toi de ça. Parce que ça, si cela reste, le problème, ce n'est pas les personnes qui vont te détruire, mais c'est cette mentalité qui te détruit. Cette mentalité, quand elle affecte les os, c'est terrible. Tu vas sentir des douleurs. Combien de gens, ils ont commencé à sentir des douleurs? Ah, j'ai des douleurs. Je crois que j'ai telle maladie. Ah, j'ai des douleurs, je crois que j'ai ça. Rejetez ça. Et dites, Seigneur, je renonce à ces pensées. Et vous allez voir, quand vous commencez à faire ce travail, il y a un combat qui se passe en vous. Au début, ça vient, et après, il y a un combat d'acharnement. Mais continue jusqu'à la victoire. Dis, Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, que la joie vienne. Saint-Esprit, que la joie vienne. Remplis-moi de la joie, et mon amour pour toi sera grand. Remplis-moi de la joie. Je tourne vers toi mes regards, et je suis resplendissant de joie, et mon amour pour toi sera florissant. Donc, peut-être mon frère Manassé peut venir pour prier pour la Sainte Seine. Tu peux la prendre, s'il te plaît, là-bas. Et ensuite, nous allons partager ensemble ce repas. Et que ça soit un repas de joie. Que ça soit un repas pris dans la joie, malgré la chaleur, malgré la lourdeur des fois du temps. Que ça soit un repas dans la joie. Et que pendant mon frère puisse venir, et tu puisses faire une prière juste pour que la joie de Dieu puisse remplir. Merci Seigneur pour le vin et le pain que tu nous as donné. Quoi? Tu nous remplis de joie au nom de Dieu. Amen. Amen. Vraiment, tu prends ce repas avec joie, comme si tu prenais part aux noces de l'agneau. Parce que la Bible nous dit que quand nous prenons part au corps et au sang de Jésus, nous sommes en communion avec lui. Et parce que nous sommes en communion avec lui, qu'est-ce qu'on parle de communion? On nous parle d'intimité. Quand on dit qu'un couple est en communion, quand ils sont un, ils sont dans une intimité cachée, dans une intimité secrète, seul. Alors pendant ce temps, sois dans cette activité. Sois dans cette joie. Parce qu'il y a une grande joie dans le ciel. Il y a une grande joie dans le ciel quand nous sommes en communion avec le Père. Il y a une grande joie dans le ciel quand nous sommes en communion avec le Fils. Et il y a une grande joie dans le ciel quand nous sommes en communion avec le Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit, pour ces instants. Nous te remercions pour la joie maintenant que tu libères. Et nous voulons te bénir parce que tu es grand.